Chers frères et sœurs, je m'adresse à vous en cette fête de Noël pour que le message de la venue du Seigneur puisse rejoindre chacun de vous dans ses espérances ou dans ses difficultés. Nous avons traversé 3 années d'épidémie. Hélas, la guerre en Ukraine se poursuit sans répit, elle n'est pas sans conséquences. Alors j'aimerais que cette fête de Noël soit l'occasion de grandir dans la fraternité. La fraternité est vue comme un chemin pour reconnaître la présence de Dieu dans le visage de l'autre. Alors en cette année, eh bien, essayons de manifester cette présence. La présence auprès de ceux qui nous sont chers, pour leur signifier que nous les aimons. La présence auprès de ceux des autres générations, spécialement les anciens, pour leur dire qu'ils comptent pour nous, que nous ne les oublions pas. La présence auprès de tous ceux qui sont isolés, exilés, malades, ou voyant arriver le terme de leur vie. Ce sera Noël chaque fois que la lumière de Dieu se reflétera dans une prière, dans un cadeau, dans une parole ou un geste de bien tourné vers ces personnes. Et puis, soyons comme les bergers qui reviennent de la crèche. Ils ne gardent pas pour eux ce qu'ils ont vu. Ils racontent tout autour d'eux les événements auxquels ils ont participé. Alors vous aussi, eh bien, partagez aux autres la joie intérieure qui vous a été donnée en cette fête de Noël, comment Jésus a touché votre cœur. À chacun de vous, je souhaite un très bon Noël de fraternité et de témoignages.